Salut tout le monde, c'est Menrol et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On se retrouve pour une vidéo sur une map Harry Potter, parce que bah, comme vous le savez, je suis un fan d'Harry Potter. En témoignent les quelques vidéos que j'en ai fait. Bon, j'en ai pas fait trop en vrai jusqu'à maintenant, ça va. Mais voilà, quoique en vrai là sur la période de Noël, ouais, j'en ai fait quand même deux dans la semaine. Enfin bon, c'était il y a deux semaines, ça passe. Donc là on se retrouve sur une map Harry Potter, comme vous l'avez sûrement vu dans le titre et sur la miniature. Donc on est sur une map de Quidditch. Alors là on voit déjà tous les command blocks, ce qui montre qu'il y a vraiment beaucoup de travail. Et donc en gros, donc ici le mec explique que lui il a pas fait le build, mais je crois que c'est lui qui a fait la redstone. Voilà, MCTSTS qui a fait donc toute la redstone de la map, et après donc aussi le build, donc c'était d'autres. Donc là il y a certains, voilà, les builders c'est Ender Pig. Et après en fait on a tous les autres qui ont participé qui sont en bas. Voilà, hop, je vous les mets. Donc c'est une map en 1.10.2 que je vous mettrai dans la description bien sûr. Et il y a un ressource pack avec. D'ailleurs je crois que, tel le boulet que je suis, j'ai oublié de mettre le ressource pack. Ok, donc le ressource pack est mis. Au final sur cette salle là ça change pas grand chose. Je pense que c'est après, une fois qu'on sera en plein match. Donc là ici il a expliqué que nous sommes... Donc en fait je vais jouer le Harry Potter, hein, voilà, le personnage principal qui est donc l'attrapeur de Gryffondor. Et donc mon but c'est d'attraper le vif d'or, qui est un petit truc en or avec des ailes qui bougent. Et donc faut que je fasse attention au cognard, Budger en anglais, hein, parce qu'ils vont peut-être venir me taper. Donc les batteurs de Gryffondor vont tenter de mettre les cognards loin de moi et mon équipe, mais ceux de Serpentard, qui sont donc mes ennemis, vont essayer de nous toucher avec, pendant que je cherche le vif d'or justement. Les poursuiveurs, donc Chaser en anglais, vont essayer d'avoir des points en mettant le Swaffle à travers les cerceaux. Donc Swaffle, hein, Quaffle, Seeker, Attrapeur, voilà, hein, c'est les petits mots anglais-français. Et puis donc ça apporte 10 points. Ça apporte 10 points justement de faire passer le Swaffle à travers les paniers, les ronds, les cercles. Et attraper le Victor apporte 150 points, voilà, ce qui est en fait un peu, c'est exactement les règles de Harry Potter, enfin du Quidditch dans Harry Potter. Donc hop, clic droit pour se lancer. Là il m'a dit de faire clic droit avec la map pour le lancer. Alors, out to control the boom. Ok, donc pour contrôler le balai, on se déplace avec les touches là. Je pense qu'il a dû mettre les mêmes. Regardez forward, mince, ça faut regarder par terre ou en haut. Ok, donc je regarde en bas pour aller en bas, en haut pour aller en haut. Devant moi, je pense du coup c'est pour pas rien faire. Et si je look, si je regarde un petit peu en haut, je vais aller tranquillement en haut. Si je regarde vraiment complètement en haut, je vais direct en haut et pareil en bas. Alors with view of hand, donc il faut que j'ai mon balai dans ma main, dans ma deuxième main. Voilà, pour pouvoir voler normalement. Pour aller, donc oui, voilà, donc premier slot on va à une vitesse, deuxième slot un peu plus vite, troisième slot très vite, enfin encore plus vite, et en gros c'est que ouais, donc les slots de 2 à 9 font aller de plus en plus vite, mais font aussi que le balai est plus dur à contrôler. Donc bah, c'est parfait, on va pouvoir faire un clic droit avec la map pour lancer le petit match. Wow. Là, normalement là je suis censé accélérer. Ce machin, oula, j'étais en train d'essayer de foncer sur le cognard. Alors là, on a le Swaffle, là, on a Madame Bibine. Hop là, stop. Et moi, faut que je cherche le vif d'or pendant ce temps. Wow, oh, on voit le château derrière. Est-ce que j'ai le droit d'aller faire un tour dans le château? Bon, ça a l'air d'être. Juste pour la déco d'ici, mais ouais, juste pour la déco, ils ont quand même fait un beau truc, hein. Ouais, mais non, mais c'est pas l'objectif. Voilà, c'est chez... Ah mince, du coup, on est en train de perdre vu qu'ils sont chez nous. Là, il y a le Victor, je l'ai vu. Il est là. Je sais pas si vous le voyez.
pile sur ma croix, hop, on accélère. On ralentit. Ah, je l'ai vu, purée mince, où est-ce qu'il est ? Ralenti. Non, quoi ? Ah, ok, j'ai perdu. Yes. Faut que je réessaye. Ouais, mais en plus, j'avais vu là le. Ok, il est là, le Luthor. Et. Pire, en vrai. Et... Finalement, à voir, ça va, mais le plus dur, c'est de l'attraper en fait, je pense. Mince, il est où? Là, ok. Vite, là, il y a l'autre attrapeur qui est derrière. Allez, je vais la voir. La fin de Ronski, on va faire. Ah bah non. Comment je fais pour la voir juste? Wow, 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 wow. Ok, c'est, je l'ai reperdu de vue. Il est où l'autre attrapeur? C'est un bon indicateur, ça, l'autre attrapeur. Là, Higgs. Wow. Je vois plus le vif d'or. Ah, mais en plus, il y a Lee qui... Ok, il y a Lee qui est en train de faire son petit... qui fait le commentaire, c'est génial. J'ai pas mis du son, je sais pas s'il y a du son. Ouais, non, ça va être la musique de Minecraft normale. Putain, mais où il est, où le Vidor? Wow. Butcher, Butcher, on va éviter les cognards. Qu'est-ce qu'ils font, eux, là? Wow, 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 oula, wow, 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 wow. Ah, j'ai dû me taper un cognard, je pense. Ok, faut que j'arrive à retrouver le Vidor. En tout cas, c'est plutôt stylé, hein. Voilà. Donc 20-10. Ah, il y a les scores affichés, génial. Là. Vif d'or, je vais t'avoir. Ah! Je vais l'avoir. Il est où? Là. Quoi? Mais non! Mais. C'est pas possible. Ok. Je me mets en F5, en vrai, ça peut peut-être être un peu plus stylé. Bon, quoique. Ouais, non, je marche sur mon truc, bon. Pas si ouf, hein. Bon. Alors, la vidéo sera peut-être légèrement courte, mais sachez que là, moi, je mets du temps à trouver ce vif d'or et à l'attraper. Ouais, les musiques de Minecraft, j'aime pas. Donc, j'en étais à essayer de trouver cette saleté de vif d'or. Quoi? Je l'ai attrapé? Oh yes, purée. Je sais même pas comment j'ai fait, je l'ai pas vu. Bah j'ai gagné. Voilà. C'est une map... ouais, c'était une map assez courte, hein. C'est juste un match de Quidditch. Mais la map est quand même assez sympa, assez bien faite. Bon après forcément ça reste dans Minecraft. Donc au niveau des déplacements des joueurs, c'est pas non plus le... Waouh, trop stylé.
C'est pas non plus le truc le plus fluide du monde, mais ça reste assez très jouable, voilà, bon, même si c'est un petit peu compliqué de gagner, hein. Là, comme vous avez pu voir, je pense que je vous t'aurais montré quelques parties au montage, j'ai légèrement galéré à attraper le vif d'or, hein. je l'ai vu plusieurs fois, mais après, une fois qu'on l'a vu, en fait, faut essayer de l'attraper, et on peut ensuite le perdre de vue, et puis l'attrapeur de Serpentard l'attrape aussi, voilà, donc ça complique un peu les choses, mais en tout cas, une map vraiment très sympa. Très très cool à faire, voilà, que je vous la mets en description si vous voulez y jouer, avec le petit vif d'or magnifique, hein, beaucoup trop stylé. Alors j'ai gagné, mais je pense que ce qu'on va faire, c'est qu'on va quand même visiter un petit peu tout ça, tout le château, parce que là je viens juste, vous voyez, de en fait je suis juste à côté, juste traverser cette muraille et je vois déjà les serres botaniques, donc voilà, on va visiter un petit peu la map comme ça. Bah, ça fera, la vidéo sera pas trop courte non plus, et puis bah, c'est une map Harry Potter, donc moi ça me fait forcément plaisir de visiter. Alors, faut juste pas que l'attrapeur de Serpentard attrape les viveurs trop vite, étant donné que bah, du coup je suis pas du tout en train d'essayer d'attraper le viveur moi de mon côté. C'est marqué quoi là? Ah, les sortilèges, ok, ouais, donc là il y a les salles. Là c'est les salles de sortilèges, ok. Et le son de Minecraft est légèrement trop fort, hein. 100% c'est trop. Hop là. Ah ouais, donc c'est quand même vachement stylé. On va descendre. Ah, là il y a une porte ouverte. C'est plutôt bien fait, hein. Hop là, j'essaie de retrouver une sortie histoire de voir de l'extérieur, parce que bon, l'intérieur c'est très bien fait, mais bon, ça reste des couloirs, hein, au final. Mais quand même, enfin moi de mon point de vue, que voilà, je trouve ça extrêmement vachement bien fait. La salle de défense contre les forces du mal. Ah ouais. Ok, ah ouais, oh purée, là on a le pont. Aussi avec le lac noir. C'est magnifique. Vraiment. Je trouve ceci magnifique. J'essaie de voir si je peux pas trouver la tour de Gryffondor, mais du coup pour ça, je pense qu'il faudrait que je rentre dans le château. Là, alors je vais essayer de passer par là. Je suis pas sûr que ça passe, hein. Ok, bon, ça passe pas. Ah bah j'ai perdu, d'accord. Bon bah je pense qu'on va terminer cette vidéo après cette petite visite et ce match de... Enfin, ces matchs de Quidditch, dont un que j'ai gagné. Voilà, donc en tout cas j'espère que cette vidéo t'aura plu. Si le cas, n'hésite pas à commenter, liker, partager la vidéo. N'hésite pas non plus à t'abonner. Moi je suis donc à la prochaine pour une prochaine vidéo. C'était Manroll. Salut.